Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, les Hamchen, toponyme d'Artsakh, Karzen. En ce jour de 1920, le massacre des Arméniens de Chouchi a commencé. Un soutien à l'Arménie et à l'Artsakh. Conférence avec la participation d'intellectuels et de parlementaires français. Rapport extraordinaire de Didi H. d'Artsakh. Cérémonie commémorative à Biarritz. Une place du génocide des Arménien a été inaugurée durer à Haïfa. Le peuple de Hamchen est un peuple que malheureusement le monde ne connaît pas bien. Il y a plusieurs raisons à cela. Cependant, nous pouvons dire que l'une des raisons les plus importantes est l'inclusion des résidents de Hamchen. Le peuple qui peut se battre côte à côte malheureusement le font en général dans leur quartier. Cette situation amène chacun de à percevoir les autres comme faisant partie de la grande communauté, en conséquence de quoi chacun de se considère moins qu'il n'est réellement. Pendant ce temps, les problèmes de ce peuple sont très similaires. Les unes aux autres, bien qu'il ait aussi leur propre aspect particulier. Sur la base de critères linguistiques et religieux, la communauté Hamchen peut être divisée en trois sections. hamchen du nord, hamchen de l'est, hamchen de l'ouest. L'article complet est disponible sur notre site web. Le village de Karzen est situé dans la région d'Otovus occupée par les autorités de Bakou. Le village de Honum était situé à un kilomètre à l'est de l'emplacement actuel sur la rive droite de la rivière Kouré a été déplacé plusieurs fois. La présence d'anciens villages préservés à proximité du village est en est la preuve. En 1998, l'ancienne arménienne Karzen, vivant déjà en Arménie occidentale, a changé son nom en Gunashli. Au 19e siècle, à la suite de la retraite de Lesgi, Karzen est passé d'une colonie riche et prospère à un village pauvre et peu peuplé. L'attaque surprise d'un pan de Voyou menée par Bourradal lors d'une fête à l'église fut particulièrement dévastatrice pour Karzen. Le massacre et la conquête s'accompagnaient de captivité. Les restes des personnes déplacées ont été dispersées dans divers endroits en Arménie et en Géorgie. Ces sont installés à Ganzak ont fondé les villages de Ganzak, Sarov et Arishi-Khandak. Il n'y a pas d'informations bibliographiques connues sur Karzen. Pour étudier le plus complètement possible l'histoire du village, les épitaphes conservées dans le cimetière revêtant une importance un valeur particulière. Sur le territoire du village de Karzen, les vestiges du centre du village du cimetière et de l'église d'origine ont été conservés. En 1919, l'Artsakh est déclaré partie indivisible de l'Arménie par les décisions des 4e et 5e congrès des Arméniens d'Artsakh. Les autorités de Moussavati entroitement liées aux jeunes turcs et Sultanov, qui a été personnellement nommé gouverneur ont complètement emprunté la tentative des jeunes turcs d'exterminer les Arméniens. En Artsakh particulièrement en Shushi, ils ont tenté de répéter presque à l'identique les étapes du génocide contre les Arméniens. Avec toutes les actions, le régime des jeunes turcs dans l'Empire ottoman et les autorités de Moussavati en Artsakh ont tenté de diviser la population arménienne, privant cette dernière la possibilité de s'auto-organiser et de se défendre lors de massacres de masse. Le 20 mars, Sultanov donne trois jours aux Arméniens pour rendre leur armes. Le matin du 22 mars à Shushi, l'armée sur a commencé à fuyer les maisons des Arméniens. Sous le nom de désarmement, un nouveau massacre d'Arméniens de Shushi commença. Le 23 mars, sous la direction de Sultanov et d'officiers turcs, des soldats tatars, des vouyons, des foule de fanatiques musulmanes ont envahi le quartier arménien de Shushi. Ont commencé à massacrer la population civile, n'épargnant même pas les femmes. Les vieillards et les enfants de étaient presque entièrement incendiés. Les restes des Arméniens de Chuchi qui ont survécu à la mort, au nombre de 5 à 6 000 personnes, se sont enfouis à Varanda et Dizak. Ici, en trois jours, 7 000 maisons ont été détruites et incendiées, et selon certaines sources, 12 000 personnes ont été massacrées. Le gouvernement d'Arménie occidentale rappelle que les nations autochtones sont toujours les sujet et génocide à la fragmentation. C'est la raison pour laquelle nous déclarons que nous sommes la continuation de l'état arménien de Nubar Pasha. Profitant de cette occasion, nous exprimons une fois de plus que les autorités de Barkou n'ont pas changé leur vrai visage, même d'un cheval. Nous vous rappelons que devant vous se trouve une nation autochtone avec son propre visage, sa culture et son statut d'état datant de meilleures années. Une conférence exclusive intitulée En soutien à l'Arménie et à l'Artsar s'est tenue au Sénat français avec la participation d'éminents intellectuels et parlementaires français. Les intellectuels français ont exprimé leur profonde préoccupation face à la politique de haine des Arméniennes et de nettoyage ethnique menée de manière continue et ouverte par l'Azerbaïdjan, tirant la sonnette d'alarme sur les dangers ethnologiques auxquels le peuple d'Artsar est confronté du fait de cette dernière. Ils ont appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates et efficaces pour lever le bloc de l'Artsar et renvoyer les Arméniens d'Artsakh dans leur patrie afin de garantir le droit à une vie sereine digne. À l'issue de la conférence, les présidents des groupes d'amitié France-Arménie, Gilbert, Luc Devine, Azéan, Laurien, Spetel, François Pouponi, le président du cercle d'amitié avec l'Artsakh et Hovhannes Gévolke, le représentant de Artsakh en France, a prononcé des discours de clôture au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cela fait longtemps que les députés de différentes régions de France sont en contact permanent avec le président et les membres du gouvernement d'Arménie occidentale. Participant aux Différentes manifestations organisées par l'Arménie occidentale en Arménie en France. Plus récemment, Mme Alexandra Martin, députée de la région française dalpes Martini, a reçu le titre de citoyen d'honneur de, de la République d'Arménie occidentale. Le 21 mars, le défenseur des droits de l'homme de la République d'Artsakh a publié un rapport extraordinaire dans lequel les données sur les violations de ces droits individuels, cinq groupes vulnérables et quatre droits collectifs sont présentés de manière complète et détaillée à travers son poids. Parallèlement au bloc complet, l'Azerbaïdjan perturbe délibérément le fonctionnement normal des infrastructures vitales de l'Artsakh. Approvisionnement en gaz, approvisionnement en électricité et communication, dans le d'aggraver encore le crise humanitaire déjà grave et de causer des souffrances humaines et détruire la. Vie de la population arménienne autochtone d'Artsar par l'intimidation physique et physiologique en créant pour eux des conditions insupportables, le nettoyage ethnique. Répondant nos appels de notre peuple indigène déplacé de force de d'Oshushi en 2021, le gouvernement d'Arménie occidentale a fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme qui a accepté plus de 10 appels. Le processus a encouré après la première procédure judiciaire. Toutes les autres plaintes contre les autorités de Bakou seront entendues. Le 24 avril 2023 à 11h, une cérémonie de commémoration dédiée à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens se tiendra à Biarritz. Agur Armenia, Association culturelle France-Arménie du Pays Basque, vous invite à participer au 108e anniversaire du génocide des Arméniens de 1915. La cérémonie officielle aura lieu au monument aux morts de Biarritz en présence de Mère Maïder Arostech et d'autres personnes. L'association Agur Armenia souhaite vous rencontrer nombreux pour rendre hommage aux martyrs de ce génocide et à leurs enfants qui portent à douleur deux drames la France, mais toujours niée par le gouvernement turc. Le gouvernement de l'Arménie occidentale est invité à l'événement qui se tiendra à Biarritz et participera avec sa délégation spéciale à la cérémonie de commémoration des victimes du génocide des Arméniennes. Il convient de noter que, selon la tradition, le gouvernement de l'Arménie occidentale organise une cérémonie de commémoration pour les victimes du génocide contre les Arméniennes dans le complexe commémoratif de Titernakaber du 26 au 28 avril. La cérémonie d'ouverture de la place du génocide des Arméniens et de l'ancien au lieu à Haïfa. Cela a été rapporté par l'ambassade arménienne à Jérusalem et à la communauté arménienne à Haïfa. Il est prévu qu'un monument dédié au génocide contre les Arméniens soit également placé dans cette rue. Rappelons que le 25 octobre 2022, le conseil municipal de Haïfa a reconnu le génocide commis contre les Arméniens par sa décision. Le projet d'ouverture de mémorial a été rédigé par Nir Schuper, membre du conseil municipal de Haïfa. En 2020, le conseil municipal de Pattish Tikva une telle décision. Le maire de Haïfa, Eïnad Kalish, l'ambassadeur arménien Arman Hakopian, l'ambassadeur du patriarcat arménien de Jérusalem, Agan Abaran Gorkian et d'autres responsables. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.